À propos des fonctions logarithmiques, commençons par une tâche introductive. À la naissance de sa petite-fille Jeannine, une grand-mère place un capital de 5 000 euros à un taux d'intérêt de 3% pour lui offrir plus tard la somme totale. Après combien d'années la somme sera-t-elle doublée? Nous savons que le capital après X années se calcule par capital de départ fois 1,03 exposant X. Nous savons aussi que le capital après X années doit être le double du capital de départ. Par conséquent, nous obtenons cette équation-là, équation qui peut être divisée par 5 000, d'où cette équation-là, qui est une équation exponentielle. Pour résoudre une telle équation, ou bien on essaye de mettre le 2 sous forme de 1,03 exposant quelque chose et on peut égaler les exposants, mais ça paraît plutôt compliqué. Comment résoudre une telle équation? Voilà notre introduction aux fonctions logarithmiques. Nous cherchons donc la valeur qui a le nombre 2 pour image par la fonction exponentielle à base 1,03. Ce qui signifie donc que nous devons retourner la fonction exponentielle. Allons-y. Définissons d'abord ce qu'on appelle le logarithme népérien. Nous avons notre fonction exponentielle à base e. Pour retourner cette fonction, c'est-à-dire pour chercher la fonction réciproque de cette fonction-là, il suffit de tracer le symétrique du graphique de la fonction x par rapport à cet axe de symétrie d'équation cartésienne y égale x. Pour faire ça précisément, nous prenons d'abord les deux points. Nous traçons déjà leur symétrique par rapport à cet axe bleu, ce qui donne alors les deux points, 1, 0 et E, 1. Et maintenant, nous pouvons tracer avec grande précision le graphique de la fonction réciproque de la fonction exponentielle à base E. Et bien, cette fonction réciproque s'appelle ln, c'est le logarithme népérien. Donc, nous définissons correctement le logarithme népérien, c'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle à base e. Ce mot logarithme vient du grec, le mot logos signifie compréhension et le mot arithmos signifie nombre. Le mot népérien vient du mathématicien du Nord, John Napier, qu'on appelle aussi parfois John Napier. Voilà, nous avons une nouvelle fonction, donc nous souhaitons en calculer la dérivée. Et nous procédons comme d'habitude. Nous prenons x strictement plus grand que 0 et f de x égale ln de x. La fonction dont nous cherchons la dérivée, nous l'appelons f. Ici, on prend un x strictement positif parce que, déjà grâce au graphique, nous voyons que juste les nombres x strictement positifs ont une image par le logarithme népérien. Ici, nous prenons la fonction directe des deux côtés. Puisque f de x est égal à ln de x, on peut en déduire que e exposant f de x est égal à e exposant ln de x. Oui, mais e exposant et ln, ce sont deux fonctions réciproques l'une de l'autre. Et par conséquent, e exposant ln de x, ça donne simplement x. Nous avons ici l'égalité de deux fonctions. Si deux fonctions sont égales, c'est que leurs dérivées doivent être égales. Cette dérivée-là
c'est la dérivation d'une fonction composée qui donne de suite f' de x fois e exposant f de x, et la dérivée de x est égale à 1. Rappelons que nous cherchons f' de x. Pour trouver f' de x, il suffit donc maintenant de diviser par ce facteur e exposant f de x, et nous savons que e exposant f de x est un nombre strictement positif. Le graphe de la fonction exponentielle se trouve bien entièrement au-dessus de l'axe des x, et ce, strictement. Donc, nous pouvons diviser par e exposant f de x. Mais regardons ce qui est écrit là maintenant. Il est écrit e exposant f de x. Oui, mais f de x est ln de x. Donc, il est écrit là e exposant ln de x. Mais e exposant et ln, ce sont deux fonctions réciproques l'une de l'autre, qui se neutralisent et finalement, il reste 1 sur x. Retenons cette dérivée de la fonction logarithme népérien, ln' de x est égal à 1 sur x. Complétons notre raisonnement de la dérivée grâce à la formule de dérivation d'une fonction composée. Nous obtenons de suite que ln de f de x prime, c'est f' de x divisé par f de x. Voilà. Voyons maintenant quelques propriétés particulières de cette fonction ln. Voici la première. Il paraît que ln d'un produit, c'est la somme des ln. Donc ln de a fois b, c'est la même chose que ln de a plus ln de b. Par exemple, ln de 6, 6 vaut 3 fois 2, donc ln de 6, c'est ln de 3 plus ln de 2. Pour démontrer cette propriété, nous appelons ln de a x. Si ln de a est égal à x, alors forcément, e exposant ln de a, c'est-à-dire a, est égal à e exposant x. Le ln de b, nous l'appelons y. Nous prenons e exposant des deux côtés et nous en déduisons que b doit être égal à e exposant y. Donc, a fois b, produit dont nous avons besoin, a fois b, ça donne e exposant x fois e exposant y. Mais dans ce produit, les exposants s'additionnent, donc ça fait e exposant x plus y. Nous avons a fois b, et nous cherchons ln de a fois b. Donc de cette égalité-là, nous déduisons que ln de a fois b, c'est ln de e exposant x plus y. Oui, mais ln et e exposant, ce sont deux fonctions réciproques l'une de l'autre. Qui se neutralisent, il ne reste plus que x plus y. Oui, mais x, c'est ln de a, et y, c'est ln de b. D'où la propriété annoncée. Deuxième propriété de ln. Ln de a divisé par b, c'est ln de a moins ln de b. Par exemple, ln de 3 quarts, c'est ln de 3 moins ln de 4. Pour démontrer cette propriété, nous procédons comme avant. Le ln de a, nous l'appelons x, donc a vaut e exposant x. Le ln de b, nous l'appelons y, donc b vaut e exposant y. Nous avons besoin de a divisé par b, donc a sur b, ça donne e exposant x divisé par e exposant y. Et ici, les exposants sont soustraits, c'est-à-dire, ceci c'est la même chose que e exposant x moins y, comme ceci. Nous avons a sur b. Nous souhaitons avoir ln de a sur b. Donc dans cette égalité-là, nous prenons ln des deux côtés. Ln et e exposant sont fonctions réciproques l'une de l'autre, donc elles se suppriment. Il reste encore x moins y. Oui, mais x, c'est ln de a, et y, c'est ln de b. D'où la propriété annoncée. Troisième propriété de ln. Ln de a exposant b,
C'est la même chose que b fois ln de a. Par exemple, ln de 8, 8 c'est 2 exposant 3, donc ln de 8 c'est la même chose que 3 fois ln de 2. Pour démontrer cette propriété, on procède comme pour les deux démonstrations précédentes, le ln de a on l'appelle x, dont on déduit que a est égal à e exposant x. Nous avons besoin de a exposant b, donc nous calculons ici a exposant b comme étant e exposant x le tout exposant b. Nous savons que là, les deux exposants se multiplient. Et maintenant, nous prenons ln de a exposant b, qui vaut donc ln de e exposant b fois x, comme ceci. Oui, mais ln et e exposant, ce sont deux fonctions réciproques l'une de l'autre, qui se neutralisent. Il reste alors b fois x. Oui, mais le x, c'est ln de a. Par conséquent, il reste ce que nous souhaitions démontrer. Passons maintenant à d'autres fonctions logarithmiques. Nous savons que la fonction exponentielle à base a a cette allure-là si a est strictement plus grand que 1, et la fonction exponentielle à base a a cette allure-là si la base a est strictement comprise entre 0 et 1. Dans ce cas-ci, la fonction exponentielle est continue et strictement croissante, donc nous pouvons de suite en déterminer la fonction réciproque, et dans ce cas-là, la fonction exponentielle à base a est continue et strictement décroissante, donc dans ce cas également, nous pouvons de suite définir la fonction réciproque, qu'on appelle logarithme à base a. Donc, le logarithme à base a, c'est la fonction réciproque log indice a de la fonction exponentielle à base a. Rappelons que depuis le début, le nombre a, la base de la fonction exponentielle, doit être un nombre réel strictement positif, différent de 1. Il existe un lien étroit entre les fonctions logarithmiques générales et le logarithme népérien. Pour trouver ce lien, nous faisons ceci. La base a est toujours un nombre strictement positif différent de 1, et la nouvelle fonction logarithme à base a, nous l'appelons f. Maintenant, nous prenons a exposant des deux côtés de l'égalité. Donc a exposant f de x doit être égal à a exposant le logarithme à base a de x. Oui, mais a exposant et logarithme à base a, ce sont deux fonctions réciproques l'une de l'autre qui se neutralisent et il ne reste plus que le x. Nous savons que pour toute fonction logarithmique, le x est nécessairement un nombre strictement positif. Le domaine de définition de n'importe quel logarithme, c'est de 0 exclu jusqu'à plus l'infini. Aussi pour le logarithme népérien. Donc, nous savons que ce nombre x est un nombre strictement positif, et ceci c'est une expression exponentielle, qui de toute façon est strictement positive. Nous pouvons donc prendre le ln des deux côtés. Voilà, c'est fait. Nous en déduisons que ln de a exposant f de x, c'est la même chose que ln de x. Et par la troisième propriété de ln, nous savons que cet exposant f de x peut passer devant le ln où il va multiplier. Ainsi, nous obtenons que f de x fois ln de a est égal à ln de x. On souhaite encore diviser par ce nombre ln de a, mais pour faire ça, il faut être sûr que ln de a n'est pas nul. Le ln s'annule juste si a est égal à 1. Oui, mais depuis le début de l'étude des fonctions exponentielles, nous avons justement exclu cette valeur a égale 1.
Au début de l'étude des fonctions exponentielles, nous avions dit qu'on exclut la base 1 parce que ce n'est pas intéressant, la base 1. Et ici, nous voyons que c'était malin d'exclure cette valeur parce que maintenant, nous sommes sûrs que ln de a n'est pas nul. Et nous pouvons donc diviser par ln de a. Et ainsi, nous avons obtenu ce lien étroit entre le logarithme général à base a et le logarithme de x. Log à base a de x, c'est une fraction de 2 ln. Ce qui est écrit en haut, on l'écrit en haut, et ce qui est écrit en bas, on l'écrit en bas. En plus, c'est très facile à retenir. Grâce à cette formule, nous pouvons ramener tous les calculs de logarithmes au calcul avec ln. Notamment, nous pouvons démontrer ces trois propriétés pour le logarithme général au moyen de cette formule-là. Donc, ces trois propriétés, on les connaît déjà de ln et elles restent vraies pour n'importe quel logarithme. Démontrons par exemple la première. Le logarithme à base a d'un produit, c'est, grâce à cette formule-là, le ln de x fois y sur ln de a. Ln de x fois y, nous savons déjà que c'est ln de x plus ln de y. Cette fraction-là peut être écrite sous forme de somme de ces deux fractions-là. La première fraction, c'est, grâce à cette formule, le logarithme à base a de x. Et la deuxième, par la même formule, c'est le logarithme à base a de y, ce qu'il fallait démontrer. Les deux autres formules se démontrent de façon analogue. Cherchons maintenant la dérivée de ce logarithme à base a. Et pour trouver cette dérivée, nous pouvons d'abord transformer le log à base a de x en la fraction ln de x sur ln de a, grâce à cette propriété. Ceci, c'est la dérivée d'un produit. C'est le produit 1 sur ln de a fois ln de x. Et le 1 sur ln de a, il sort de la dérivée comme constante multiplicative, donc comme ceci. Il ne reste plus qu'à dériver le ln de x. Dérivée que nous connaissons, c'est 1 sur x, d'où la formule de dérivation du logarithme à base a. Par la formule de dérivation d'une fonction composée, nous trouvons aussi de suite la formule de dérivation de logarithme à base a d'un f de x. Voilà. Le logarithme à base 10, qu'on appelle le logarithme décimal, s'écrit souvent simplement log. Donc, si on n'écrit pas de base, c'est que c'est automatiquement la base 10. Et le logarithme à base e, nombre d'Euler, le logarithme à base e de x, c'est, grâce à cette formule-là, ln de x sur ln de e. Oui, mais ln de e, c'est 1. Donc, le logarithme à base e de x, c'est le logarithme népérien de x.